KB, l'unique van proposé par KB, le van 690 LB, donc il fait presque 7 mètres de long. C'est un van qui n'est pas en, qui est en poids lourd, je crois. Hein. C'est du 7 mètres, un petit 7 mètres sur porteur Mercedes. Et donc, c'est du poids lourd d'après ce qu'on m'a dit. Je vais vérifier parce que j'ai pas eu le temps de lire la fiche technique. Mais a priori, il n'y a pas de raison qu'on me dise des bêtises. Donc alors, joli salon avec des sièges très incurvés. Ils sont très sympas là. Ils ont réussi là leur truc. On a l'impression que c'est des sièges de vaisseau spatial. Alors, cabine décaissée avec ici un écran domotique pour contrôler je ne sais quoi. Est-ce que c'est une caméra de recul? Probablement, mais bon, j'en suis pas sûr. Joli porteur Mercedes. Hein. Le luxe à la suédoise. Donc, c'est des véhicules suédois, donc j'imagine ils sont bien isolés en plus. La construction, bon, elle a l'air d'être nickel. Hein. Ici, sur le salon, 4 places a priori avec une rallonge ou pas? Oui, il y a une rallonge qui tourne comme ça, un système tournant. Alors, au-dessus du salon, des rangements. Ici, il y a du Wi-Fi ou de la 4G. C'est équipé, c'est cool. Alors, la cuisine, petite cuisine. Bon, il est quand même là, moins large que les autres véhicules. Hein. C'est un Kastenwagen, donc c'est un fourgon. Il est moins large. Les autres sont énormes en largeur. Alors ici la cuisine, on a ici un petit tiroir quand on entre direct dans le véhicule et la poubelle, pratique pour faire le nettoyage. Ici il y a une petite rallonge et donc cette cuisine, il y a un petit combo domotique, donc deux feux et un évier avec robinetterie plastique rabattable. Au-dessus de la cuisine, il y a des rangements. Petit rangement ici. Et petit rangement là. Et donc au niveau de la cuisine, devant, un petit tiroir. Ici, il n'y a rien vu qu'il y a des tiroirs latéraux. Un petit tiroir, c'est pas profond. Hein. Et donc, voilà pour la cuisine, c'est vite fait. À côté de la cuisine, il y a un réfrigérateur, donc surplombé par un rangement. Et ici, un petit réfrigérateur domotique. Slim et de petite taille, mais bon, c'est un fourgon. Et puis deux petits tiroirs en dessous. Voilà pour la cuisine et le salon. Belle réalisation. Hein. Donc il y a deux lanterneaux sur l'avant. Hein. Un au-dessus du salon. Et puis, enfin les deux au-dessus du salon d'ailleurs. Cuisine, salle de bain derrière la cuisine. Donc petite salle de bain. Avec système Vario a priori. Donc, toilette, lavabo, fenêtre, rangement. Alors ici, j'avais pas vu, il y a des petites pastilles où on doit appuyer pour ouvrir en fait. Il n'y a pas partout, mais là c'est une petite aide pour savoir où est-ce qu'on doit appuyer. Système Vario, alors ici, la partie coulissante elle est là avec un beau miroir pour se regarder. Alors, toilette tête pivotante. Ici, il y a un rideau à lamelles. Et ici, il suffit juste d'une petite. De tirer un tout petit peu. Et puis, voilà, on libère l'espace douche. Alors, ça donne ça, l'espace douche sur le dessus. Donc, il y a une bonde. Alors, c'est pas super grand, mais bon. Par contre, est-ce que je l'ai bien?
Est-ce qu'il est fermé, il est bloqué? Non, je ne sais pas. Il n'a pas l'air de vouloir. Il a l'air d'être un peu capricieux. Voilà. Il y a un blocage ici. Enfin, je ne sais pas trop si c'est fait exprès. Mais en tout cas, je ne peux pas le fermer. Non, c'est pas grave. C'est peut-être fait exprès. On peut bloquer ici les trucs. Mais bon. Alors, sinon, la douche. Hein, bon, on se met comme ça. Ici, il y a un petit décaissé qui permet d'avoir un peu d'espace. Bon, ça va, hein. C'est tout petit, hein. Il faut pas être trop gros, hein. Sinon on touche les parois. Parce que le volume est vraiment petit. Mais bon, en même temps on passe pas des heures là-dedans. Et donc voilà, quand c'est refermé. Alors, j'avais pas vu à côté du réfrigérateur, il y avait aussi du rangement là. Le rangement éclairé, hein, c'est sympa. Et pour finir, l'espace chambre. Alors ici, deux lits jumeaux. Einzelbett, ils disent les Allemands, je crois. Donc ici, un lit jumeau là. Un lit jumeau là. Une belle soute ici. Il y a des anneaux d'ancrage là pour accrocher des choses. Là aussi, il y a des rangements. Là, c'est quoi ça? Il y a un escalier là, c'est sympa ça. Donc, il y a un escalier. On voit l'escalier ici, donc c'est sympa comme tout. Allez hop. Innovation ou pas? Mais en tout cas, c'est sympa. Quand il y a des trucs comme ça bien pensés, c'est toujours sympa. Là, il y a de la technique, de la batterie. Un petit rangement, la douche. Et ici, l'escalier. Voilà pour ce joli véhicule. Avec des rangements au-dessus pour les lits jumeaux. Il y a beaucoup de rangements, je vais pas tous les faire peut-être. Si, allez, il en reste deux. Comme ça, je teste en même temps s'il y en a un qui est cassé. Et je vais ressortir par l'arrière, ce sera plus simple. La douchette. Le compartiment gaz ici, probablement. Avec un espace pour deux bouteilles. Et donc, pas mal de place, hein, c'est sympa. Et ici, on voit, hein, protection peut-être contre le froid, là, c'est bien ça. Cabé. Allez, je repars une dernière fois par là. Et je ressors de l'autre côté. Comme ça, il y a tout véhicule dans toute sa longueur.